Jour de lessive, un livre de Frédéric Ster. Aux éditions L'École des loisirs. C'est mercredi et il fait beau. Elena joue avec sa poupée au bord de la rivière. Une petite souris arrive et s'installe non loin d'elle. Elle semble très occupée. « Bonjour !» dit Elena. La souris ne répond pas. « Bonjour !» répète Elena. « Oh, bonjour !» dit la souris. « Je ne t'avais pas vue. J'attends les autres. Ils ne devraient pas tarder. Tu es nouvelle ? Tu es en avance. »« En avance pourquoi ?» demanda Elena. Mais la souris ne répond pas. Les voilà, dit-elle. On va pouvoir commencer. Ouf, dit le raton laveur. J'ai bien cru que je ne serais pas à l'heure. Vous êtes prêts ? Demande la souris. 1, 2, 3, allons-y. Et elle se met à chanter. Avec ce soleil dans l'eau vive, c'est un bon jour pour la lessive. Et la grenouille, le castor et le raton laveur reprennent avec elle. Avec ce soleil dans l'eau vive, c'est un bon jour pour la lessive. Pour que le linge sente bon, il faut choisir un bon savon. C'est vrai que mon maillot ne sent pas très bon, constate Elena. Je pourrais peut-être le laver. On mouille, on frotte, on fait de la mousse. On frotte, on mouille, on s'éclabousse. Oh ! S'exclama Elena. Mon short est tout taché. Bon, je crois que je vais tout enlever. Et quand le linge est bien rincé, il faut l'étendre et le faire sécher, chantent la souris, la grenouille, le castor et le raton laveur. Mais Elena n'en est pas au rinçage. Pour l'instant, elle frotte. Elle frotte, et sans savon, c'est très difficile. On voit bien que c'est la première fois que tu viens, dit la souris. Prends mon savon, j'en ai plus besoin. Merci, dit Elena. Moi, j'ai deux planches à lessiver, dit la grenouille. Et celle-ci est trop grande pour moi. Oh, merci, dit Elena. Et moi, dit le raton laveur, j'ai encore de la place sur le fil et quelques pinces à linge. J'arrive, dit Elena en traversant la rivière. Elle trouve l'eau délicieuse. Fait le raton laveur. Pour la lessive, tu n'es pas rapide, mais pour le grand bain, tu es la première. Le grand bain ? S'étonne Elena. Mais oui ! Tu ne te laves donc jamais ? Tout le monde est prêt ? Dit la grenouille. 1, 2, 3, on y va ! On se frotte le dos, on se frotte le museau, on se frotte les genoux. Et les petits plis du cou, entre les orteils, et on n'oublie pas les oreilles. Maintenant, il faut se rincer. Attention, dit Elena. 1, 2, 3, on se passe le nez. Tout le monde se sèche, se rhabille et se dit au revoir. Elena est sûre qu'elle n'a jamais senti aussi bon. « Rendez-vous à la prochaine lessive !» dit la souris. « Oh oui !» dit Elena. « À mercredi ! Au revoir ! Au revoir les amis !»« Ma pauvre !» dit Elena à sa poupée. « Tu as vu dans quel état sont tes habits ? Je ne sais pas si ça pourra attendre mercredi. » Thank you.
Thank you.